Continuons. Alors, cet étrange artefact, on va l'ouvrir. Boîte mécanique en bois. Oui. On va essayer d'ouvrir ça. Un escalier, ça. Escalier miniature. Où est-ce qu'on a besoin d'un escalier miniature? Ici. Rien ne mène à ce balcon. Galerie japonaise. Sympa cette pièce. Je vais voir le bouquin. Histoire du Japon. Je suis atterrée, je ne peux pas continuer. Cette chose enveloppe la maison. Elle englobe tout. Edouard, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Quel est ce fléau? Je ne peux pas continuer. Des dédales dans... Des dédales dans des dédales dans... Oh malheur, ça brûle, je dois l'en éloigner. Si j'arrive à détourner son attention... Pour qu'il se nourrisse d'autre chose, j'arriverai peut-être à gagner du temps. Je peux y arriver. Sortir, je peux y arriver. Allez, chercher de l'aide, je peux y arriver. Ça, c'est la fontaine. Je reconnais les dessins. Pourquoi je trouve les bestioles? Des choses à ouvrir. Ce coquillage est solidement fermé. Ah, tu veux une perle? J'aurais essayé. Il y a des trucs partout. Il manque quelque chose. Là. Bloqué. Ici, je peux peut-être ouvrir. Une sphère en laiton gravé. J'attends quoi? Avoir une meilleure meilleure vue. Et le dernier, je ne peux pas l'ouvrir pour l'instant.
Donc, il y a un tiroir ici. Ah. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Cet emblème peut être relié à ce qui est censé se trouver là. Oui, d'accord. Si tu le dis... Ça faut que je le chope. Mais il faut que j'ouvre ça d'abord. C'est bloqué. Bon, on va aller voir les dragons. Ils sont beaux, hein? Fermer la bouche des dragons. Tu veux pas mettre un truc là? On va voir le reste. Là. Trop beau, beau, trop. Oui. T'es activé, ce truc-là? Ça ressemble à... au truc de tout à l'heure. Je fasse quelque chose avec ça? Pas beaucoup avancé. Hein. Pas récupérer ça? Qu'est-ce que ça sert à quoi?
Les trucs que j'ai loupés. Peut-être un truc là. Un petit truc. Capsule décorée en bois. Capsule. C'est quoi ce truc? Une mouche. Ok. On sait pas. On sait pas. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça ou pas? Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Une mouche, un oiseau, une araignée. Non. Ça fait un peu à chaque fois. Ça fait un peu à chaque fois. Si j'ai déjà la mouche, peut-être un. Ah, un rapport de progression. Mouche araignée. Araignée. Araignée, oiseau. Oiseau. Renard. C'est quoi maintenant ça? Truc avec quatre pointes. Ça va où ça? Je pense pas que ce soit ici. Ah si, c'est là. Sculpture en bois inachevée. Ça veut dire qu'il manque des choses. Ça, je peux tourner pour ouvrir ça. Bel angle de vue, on voit rien du tout. C'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Ah. Le harpon. C'est quoi en dessous une étoile? Tu vois pas une étoile là? Si. Oups. C'est pas ça. Tu voulais le mettre là. Ça me fait sortir ça. Ça me
faire quoi? Est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai l'impression d'en avoir besoin. Si ça peut être ça. Ce support semble destiné à soutenir quelque chose. D'accord. Ça va rester là alors? Je ne sais pas quoi faire avec ça. On va le laisser. On va aller voir le harpon pour ça ressemble à ça quand même. Il n'y a plus de mur. On va repenser ici. Je vais continuer. Alors, j'ai pas tombé la cloche. Bon. Ça, je sais toujours pas quoi en faire. Non, les argentins, ils sont en bas. Je vais aller voir la cloche. C'est tout ce qui me reste ici. Le coffre du milieu. Petite cloche en fer. Bon, pour faire quoi? Ah, le harpon est là. Une petite cloche, je mettrai ça où moi? Dans le jardin? Petite cloche. Alors actuellement j'ai deux choses ouvertes, c'est tout. Non? Oui, ça c'est fini. J'en ai trois.
froid en fait. C'était pas là que je voulais aller. C'est pas grave. Je peux le mettre comme de l'autre côté. Le dragon en haut. Ça tombe quelque chose? Dragon, bateau et ancre. Là, c'est ce que j'ai fait. Ah, on va faire ce pile poil dans le bon sens. C'était lourd à s'ouvrir. Alors... C'est fait. Ça. Je vois pas ce que c'est. Je voulais pas tout faire exploser. Système sophistiqué de coffre qui ne fonctionne qu'une fois. Je me demandais comment ça allait tomber. Étrange artefact. C'est fini pour la petite maritime.
pièce maritime terminée, ce qui gît en dessous s'extirpera inexorablement vers la surface et emportera avec lui ses victimes, totalement impuissantes. J'ai parcouru les abysses sous les vagues et j'en suis ressorti à bout de souffle.